Bonjour à tous, c'est Black Ink. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, enfin, on vient clôturer l'ensemble des vidéos de partie de Jinkelver en solo difficile sur la quête onirique, cette fameuse mini-campagne en 4 scénarios qui est la partie rêve des dévoreurs de rêves. Alors, je vous le dis tout de suite, ça fait un bon moment que j'ai pas joué ce gym. Je ne sais pas à quel moment vont apparaître les vidéos, mais sachez voilà, que les vidéos ont été enregistrées bien avant leur parution sur YouTube. Et du coup, en fait, si vous, quand bien même vous visionneriez cette vidéo à la suite des trois autres, il y a eu une énorme coupure entre le troisième scénario et le quatrième, d'à peu près un mois, puisque là on est fin février et ma dernière partie remonte au premier jour de février. Donc, je suis plus trop dans le bain. On verra bien ce qu'on arrive à faire à Jim, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, on attaque le dernier scénario, qui n'est autre que La Demeure des Dieux, un scénario ô combien difficile, notamment en solo, de par sa mécanique très particulière, pour aller chercher notre grand ancien dans les cartes, parmi les cartes du deck rencontre, en carte cachée. Hein. Attention, évidemment, spoiler pour ce qui n'aurait pas encore fait le scénario, mais je suppose que si vous avez regardé la campagne, si vous l'avez faite au moins une fois, et du coup vous connaissez la mécanique. Donc en termes d'amélioration du deck, étant donné comme je vous l'ai dit que ça faisait un moment que j'avais pas touché, je savais plus trop sur quoi j'étais parti, donc j'étais parti du coup sur un gym relique, en lien notamment avec la vidéo de Vincast à l'origine, sur Jinkelver. Et du coup, sur mes dernières améliorations, j'avais 9 points d'XP possibles, sachant que j'ai deux recherches ésotériques. Donc, on l'avait dit dans la vidéo introductive, il me semble, il y a besoin de faire du testless dans ce scénario. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un saut du signe des anciens. Si j'avais eu 10 XP, j'aurais sans doute pris deux sauts du signe des anciens. N'en ayant que 9, j'ai décidé de améliorer une flamme azurée. Donc du niveau 0 vers le niveau 5, ce qui fait qu'elle m'a coûté que 3 XP grâce aux recherches ésotériques. Et vous allez me dire, oui, mais c'est dommage de ne pas avoir amélioré les deux flammes azurées, puisque c'est quand même un peu plus stable d'avoir deux sorts avec un up. Oui, mais il est vrai que j'ai voulu rentrer un exemplaire de Destinée Parallèle, donc cette carte mystique qui est apparue avec le pack Jack Linfine, que je vous montrerai par la suite, et qui du coup m'a coûté un XP. Ce qui faisait que j'avais pas la possibilité de augmenter deux flammes azurées, mais bien qu'une seule et au niveau 5. Bon, ce qui n'est pas non plus embêtant au vu des ennemis qu'il y aura à gérer sur ce scénario. C'est peut-être pas plus mal d'avoir une force de frappe plus importante. Et Destinée Parallèle, évidemment, ben je l'ai pris en un exemplaire de niveau 0 pour réussir peut-être à améliorer mon sort vis-à-vis de ce scénario qui encore une fois est très difficile. Je l'ai joué trois fois en solo difficile. Ça c'est ma quatrième. Et j'ai échoué une fois avec Ashkan, une fois avec Wendy. J'ai réussi avec lors de mon dernier tour avec Wendy une fois. Et donc avec Jim, j'avoue que je mets pas beaucoup de chance de mon côté. Je ne pense pas qu'on arrivera au bout. De toute façon, on avait déjà vu qu'avec le scénario 5, ça avait été assez compliqué pour Jim. J'ai été largement persécuté par les ennemis et j'ai pu essayer de survivre en grattant un maximum de points d'XP. Mais finalement, j'avais succombé, ce qui m'a valu d'ailleurs la faiblesse d'histoire Faux Réveil que vous voyez avec les traîtrises et que je m'en vais vous présenter de ce pas. Au niveau du jeu, donc Faux Réveil, c'est une faiblesse malédiction. Faux Réveil commence chaque partie avec une fatalité dessus, à côté du deck intrigue. Pour une action, effectue un test de n'importe quelle compétence à 2, augmenter la difficulté de ce test de plus 1 par investigateur. En cas de réussite, retirez Faux Réveil de la partie. N'importe quel investigateur a le droit de déclencher cette capacité. On retrouve là en fait la mécanique du début de campagne avec les tests des deux barbus, Kamanta et Nash. Bon, c'est assez fluff dans la campagne, mais bon, une thèse de compétence à 2, c'est quand même pas. Bon, Jim, voilà, on a l'agilité à 2. Après, j'ai pas beaucoup d'icônes d'agilité. Je pense que je vais perdre un tour. On verra si l'opportunité se présente.
je le ferai, mais c'est peu probable. Parce que les possibilités de rater cette action sont quand même un peu trop importantes. Au niveau de la mise en place, bon, bah, les lieux de façon classique. Sur la carte référence scénario, donc la demeure des dieux défie l'expert. Le crâne, il y en a 3, moins X, 0 pour Jim. Le numéro de l'acte en cours, plus le numéro de l'intrigue en cours. Donc clairement, ça c'est quand même pas mal parce que ça va vite augmenter. Pour l'instant, c'est à moins 2. Mais derrière, ça peut vite augmenter. Heureusement que Jim a sa capa. Le cultiste révélé un autre pion KO en cas d'échec, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Embêtant. La tablette, pardon, le moins 6 en cas d'échec, choisissez révéler un exemplaire de Nier à la totem de votre main. Il vous attaque et est mélangé dans le deck rencontre. Donc ça, c'est très embêtant. Et moins 6, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et la chose très ancienne n'est pas là. La tablette, juste pour vous remontrer le chaos bag. Donc on a bien les 3 crânes. On a un cultiste et 2 tablettes. Cultiste et 2 tablettes, c'est... Les tablettes sont quand même très très embêtantes, il n'y a rien à dire là-dessus, ça risque d'être très compliqué de gérer les tablettes, si tant est qu'on puisse les gérer. L'acte 1A, il me faut 2 indices pour avancer, et l'intrigue 1A, j'ai 7 tours, bon, 6 à cause de faux réveil. Ma main de départ avant Mulligan, chanceux, statue grotesque, lame spectrale, cran et le saut du chine des anciens. Alors en termes de mulligan d'emblée, le saut du chine des anciens, j'en ai pas besoin de suite. Le cran et le chanceux non plus. J'ai besoin de ma statue pour assurer mes tests. J'ai envie de garder ma lame spectrale pour avoir éventuellement une solution de combat si jamais j'ai quelque chose qui vient dessus. Ce serait bien le mulligan, mais on ne sait pas trop ce qu'on va piocher, donc je vais rester comme ça. En gardant la statue de la lame spectrale en espérant piocher de quoi enquêter. Et pas vraiment d'enquête, un peu, mais pas beaucoup. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Donc on commence sur le plateau de Leng, sur le plateau désert et glacé de Leng, qu'aucun être saint ne visite et dont la nuit on aperçoit de très loin les feux démoniaques. Donc valeur occulte de 3, un indice par investigateur forcé quand un ennemi devrait être généré dans un lieu vide mais qu'il n'y a pas de place dans le lieu vide. Il n'y a pas de lieu vide en jeu, pardon, générer cet ennemi ici à la place. Très bien. Ben ça va clairement être. Quoique, ça va pas forcément être un tour de stuff, mais. Dans les lieux, on a le désert glacé, on a le monastère dont la porte est scellée, la porte d'Onyx et le château d'Onyx. Bon, inutile de vous dire qu'il va falloir découvrir les indices et du plateau et du désert pour aller au monastère. Bon, en première action, on va piocher une carte. Ok, en deuxième action, on va repiocher une carte. Oh. Eh bien, au moins, elle est déjà sortie. Hop, pardon. Et on prend 5 pions. Alors, chaque pion crâne, on en a un. On a un pion crâne et je subis donc un dégât, une horreur. Ok. Et du coup, dernière action, pour deux, on va mettre la statue grotesque. Ennemi, rien, entretien. D'accord. Avoir ces deux attirés vers la flamme en début de partie, c'est quand même pas top. Ah! Voyagilité, mensonge, malédiction, péril caché, révélation, ajoutez ce qu'il y a dans votre main, vous ne pouvez pas attribuer plus d'une carte par round lors des tests de compétences. Défaussez voyagilité, effectuez un test d'agilité de 3 en cas d'échec, déplacez une fatalité sur un trait en cours. Placez une fatalité. Ah oui. Ben, je vais continuer à m'envoyer des horreurs dessus, mais je vais l'enlever, hein, parce qu'elle est quand même vraiment très embêtante. Et une carte par round, c'est vrai que c'est quand même... très très embêtant. Bon, ce qui n'avance pas énormément en termes d'enquête, et tenter une enquête à 5 contre 3, c'est vraiment pas ce dont j'ai envie de faire. Utiliser mes deux attirés vers la flamme en début de partie non plus. Donc on va continuer à perdre un peu de temps malheureusement. L'âme enchantée, d'accord. Saint Rosaire.
J'aime pas piocher. Il me reste quoi? Si, il me reste ça. Donc, en dernière action, je vais poser mon sang rosaire. Ce qui va porter ma volonté. Hop, à 5. Pas l'intelligence, la volonté. Bon, c'est un départ un peu. Ah, enfin. Eh bien, ce sera l'agilité pour les murmures d'hypnose. Ok, on va pouvoir enfin commencer. Pour deux, je pose une lampe torche. Deuxième action, j'enquête à la lampe torche plus un courage inattendu, ce qui fait que je suis à 5 contre 1. 0. Dernière action, je me déplace dans le désert. Deux, après avoir révélé un pion KO crâne, bon, spécial quoi, symbole, négatif. Quand vous enquêtiez dans les airs glacés, vous devez soit subir un dégât, soit perdre une action. D'accord. Tiens, mythe. Ah. Ça veut dire. Le mentor sans visage. C'est d'autant plus dommage qu'il est chasseur. Avec la lame spectrale, je ne vais lui faire que 3 dégâts. C'est légèrement embêtant. Sachant qu'en plus, il me manque une ressource. Je ne peux que tenter de l'esquiver. Il a 3, je suis à 2, je peux me mettre à 6 contre 3. C'est pas énorme. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux envisager. Et c'est vrai qu'au niveau des orbes, j'en ai déjà 4. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Je vais tenter d'esquiver en rajoutant un pion maudit à la réserve du chaos. Je suis donc à 6 contre 3. Ouh, la tablette. Moins 6. Bon, il n'y a pas de Nyarlathotep en jeu, mais évidemment, c'est compliqué. Non, mais attendez, la statue. Excusez-moi, la statue. C'est évident que sur un test comme ça, il faut utiliser la statue. Bon, et ben, même avec la statue, c'est pas possible. D'ailleurs, je ne l'incline pas, mais du coup, voilà, ça change rien, si ce n'est le fait d'avoir une charge. Ben là, clairement, si même avec la statue, ce n'est pas possible, Jim est très très mal embarqué. Aller chercher aller chercher deux pions, soit le plus. Non, mais il n'y a pas de plus 1. Il n'y a pas de plus 1, donc. Bah non, bah. J'ai qu'un seul pion qui me ferait réussir maintenant. Me prendre une attaque d'opportunité, honnêtement, ça ne me va pas. Bah, je vais retenter, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Oh, c'est comment cramer sa statue grotesque? Oui, évidemment. Évidemment. Ah, le moins 1, non, tant pis. Bon, bah, je vais retenter sans charge de statue, hein. Moins 2, d'accord. Bon, face des ennemis, il va me mettre une aura sur moi, une sur le Saint Rosaire, ça s'entretient. Oh là là, je sens que la partie va être très très courte. Je suis donc à 7 contre 5. Le crâne 0, je réussis, je pioche une carte. Oui, c'est bien, c'est très très bien, mais j'ai toujours pas assez de ressources. Et plus de dégâts, ça va pas le tuer. Ah bah pour deux.
Mince. Je vais utiliser ma lame spectrale. Il fallait que ça sorte maintenant, quoi. Non, mais sans déconner. Donc, il prend 3 dégâts. En deuxième action, j'attaque et je fais ma statue grotesque. Je suis à 3 contre 3. Je vais attribuer ma lame pour être à 4 contre 3. Oh! Alors, vous ne l'avez pas vu. Parce qu'encore une fois, je suis dans la boîte de texte. Mais j'ai encore pioché un Elder Sign. J'ai encore pioché un Elder Sign. Donc, il crève. Donc, en deux actions, j'ai réussi à le crever. Cette fois-ci, je l'enlève, désolé. Lampe torche en dernière action. Crâne. Mais je dois subir un dégât parce que j'ai plus d'action. Je vais avancer. Alors, révéler le monastère de Ling généré dans le monastère de Ling, le grand prêtre qu'on ne peut décrire. Franchement, je. Ouais. C'est assez fou là ce qui vient de se passer. Deux Elder Signs d'affilée. Et surtout, enfin, des tirages aussi cléments par rapport à ma promesse de pouvoir, plus ce statut. Donc. L'acte 2A. Pour une action, si un investigateur a fait s'approcher le prêtre et qu'un investigateur a assommé le prêtre, vainquez le grand prêtre qu'on ne peut décrire. Objectif, si le grand prêtre qu'on ne peut décrire est vaincu, avancez. Le grand prêtre qu'on ne peut décrire. Monstre, cultiste, avatar, élite, alerte massif, riposte. Cet ennemi ne peut pas effectuer l'attaque d'opportunité en rapide, en gratuit. Si cet ennemi est incliné, dépensez un indice par investigateur. Souvenez-vous que vous avez assommé le prêtre jusqu'à la fin du scénario. Cet ennemi perd moins 3 de combat. En rapide, les instigateurs de l'ancienne arène dépensent collectivement un indice. Souvenez-vous que les instigateurs ont fait s'approcher le prêtre. Donc en clair, voilà, il y a deux possibilités pour vaincre le grand prêtre qu'on ne peut détruire. C'est soit la bonne vieille méthode bourrin, sachant qu'il a que 3 points de vie. Alerte massif riposte. Donc il y a quand même des risques, une fois qu'on l'a engagé. Enfin, qu'on l'a engagé. Oui, non. De toute façon, il va m'engager. Quand même des risques, ou alors le faire s'approcher et l'assommer. Donc pour il faut rentrer, enquêter, donc choper les deux indices et en rapide dépenser ça et dépenser ça. En vrai, c'est fort possible d'y arriver puisque on a notre attiré par la flamme. Donc ça, en vrai, c'est pas mal. Ça peut, sauf problématique particulière, ça peut nous intéresser. Je suis déjà à 6 contre 7, hein, ça va très vite. Je vais choisir l'agilité avec les mémoires lors d'hypnose. Eh bien, je bouge ici. Donc dans le monastère de Ling. Je vais du coup utiliser mon attiré par la flamme. La loi de Higiroth Pandemonium. Vous ne pouvez pas jouer de cartes ou attribuer une carte de compétence, des cartes avec un nombre impair de mots dans leur titre. D'accord, il faudra défausser une carte avec un nom pair. Ok. Donc, avec l'attiré par la flamme, j'ai récupéré les deux. What? Oui. J'ai récupéré les deux indices ici. Puisqu'il ne pouvait pas faire d'attaque d'opportunité. En rapide, je dépense un indice. Je le fais s'approcher. En rapide, je dépense un indice. Je l'ai assommé. Et je l'ai fait s'approcher et on l'a assommé, on l'a vaincu. Une fois qu'il est vaincu, on avance. Donc, on l'a vaincu, il y a quoi? Il y a que du fluff. Et du coup, si tous les instigateurs sont dans les portes de Nyx, qu'il n'y a pas d'indice dessus, avancez. Très bien, il me reste une action. Il me reste une action. Je vais enlever ça déjà. Bon, je vais me rapprocher. Allez, hop. Ennemi, entretien, mythe. On avance. Donc, à côté du deck intrigue. Donc, elle n'est pas attachée à l'intrigue. Effectivement, c'est vrai que du coup j'ai mal interprété la carte, donc c'est-à-dire que je vais perdre non pas un tour, mais autant de tours que ce qu'il y a d'intrigue. Quoique.
Non, bah non. Bah rien ne m'empêche. Non, bah non, elle perd sa fatalité comme toutes les cartes. Hein. Il n'y a rien qui stipule qu'elle ne la perdrait pas, donc non. On n'est pas à l'acte 4, non, on n'est pas à l'acte 4. Donc on ne lit pas le texte suivant. Et on est à l'intrigue 2A, et on n'a que 5 tours, du coup. On pioche notre carte. Bah on va placer une fatalité sur lui. Alors, à moi, je me déplace ici. Alors, ici, les portes d'Onyx gagnent plus 1 de leur occupant instigateur. Donc, elle est à 2. Après la révélation des portes d'Onyx vérifiées, votre carnet de campagne retire un indice des portes pour chaque trait inscrit à côté des preuves de Kadath. Alors, j'avais pas excellé au scénario 2, ce qui fait que j'ai 6 preuves de Kadath. Donc, il reste 6 indices dessus. Je pense que je n'ai jamais eu autant d'indices sur ces portes. Ce qui peut être embêtant. Alors, sachant qu'avec la loi de Yiggeroth, bon, les nombres pairs, ça va parce que, bon, Ellie, je peux pas la jouer. Attirer la femme, oui. Flamme, oui. Trompette, oui. Canépé, c'est un mot composé, donc c'est un seul mot. Donc, non. Mais il y a surtout le sixième sens qui n'a que deux mots et qui pourrait me permettre d'enquêter. Donc, première action, je me suis déplacé. Deuxième action, je vais piocher une carte. Ah oui, mais je me rappelle, oui. Dernière action, je vais piocher une carte. Ok. Tiens, évidemment j'ai trop de cartes en main. Je ne peux pas jouer ma canne épée, donc je l'enlève. Encore. Vous ne pouvez pas jouer de cartes ou déclencher des capacités de la carte joueur dont le coin imprimé est impair. Et là par contre ça commence à être plus embêtant parce que le sixième sens a un coin impair. Très bien. Très bien, très bien. Je vais du coup. Ce qui m'embête, c'est que j'ai quand même 5 horreurs déjà sur moi. J'aurais bien aimé jouer la trompette. Mais la trompette est loin d'être essentielle. Je vais activer la loi Yiggeroth et défausser la trompette. Deuxième action. Tant pis, on va tenter d'avancer un peu. Attirer vers la flamme. Voyage agité. Oui. Eh bien, une nouvelle horreur pour éviter le voyage agité. Je récupère 2 indices. Non. Et dernière action, je vais encore piocher une carte. Ah! Parfait. Ah, parfait. Ça aurait bien que ce soit un peu plus tôt, mais bon. Abandonné par les dieux. Relation affectueuse thèse de volonté 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez choisir un nombre différent entre 0 et 4. Chaque joueur doit défausser chaque soutien et chaque événement de sa main dont le coût d'imprimer en ressources est égal à un peu. Oh! Et bien, je vais me mettre un petit cran parce que c'est quand même assez embêtant cette chose. Donc, je suis à 7 contre 3. Ah! Oh là 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 là. Échec automatique, ce qui fait que la valeur est à 0. Et même le chanceux ne saurait m'aider. Donc 3. Oh la vache. Hum. C'est terrible. C'est terrible. Et là, je peux pas prétexter le fait d'utiliser la statue, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc
un nombre différent entre 0 et 4, sachant que je dois en choisir 3. Du coup, donc je choisis 4, je ne défausse rien. Je choisis 0, je ne défausse rien. Et je choisis 2, je défausse la lame spectrale. Parce que 1 et 3, le chanceux et le reste, c'est quand même bien trop important. Mais là, c'est vrai que cet échec automatique m'a été fatal. Du coup, ben là, logiquement, oui. C'est bon, donc pour 3, première action pour 3, je joue mon sixième sens. Et là, de toute façon, on va faire que en PP. Hein. Donc j'enquête, je suis à 7 contre 2. Moins 6, bah non, ça passe pas. Et moins 3, ça passe. Sachant que voilà, c'était une tablette, mais évidemment, voilà, il y a des indices nulle part ailleurs, donc c'est bon. Il va falloir accélérer un peu le tempo parce que à cause du cultiste, je risque de pas y arriver. De 3. Donc elle est à 5. Alors bah du coup j'enquête, de toute façon j'ai enquêté 3 fois, une fois. Je claque mon chanceux. C'est un truc de fou. Deux fois. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Trois fois. Mais non, attendez, mais. Non, mais c'est possible. C'est quoi ce tirage de ouf? Ah, je veux bien y avoir pioché deux pions. Une des anciens tout à l'heure d'affilée, mais là quand même. Faut arrêter. Oh là 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 là. Oh, cet échec monumental. Oh. Ennemi entretien, j'ai 5, ça va. Du coup, 4, on lui enlève sa fatalité. Oh là 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 là. Voilà, bon, c'est. Je suis même pas là. C'est l'intrigue 3A et il me semble que c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Oh là 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 là. C'est. Non. D'abord ma carte. Ben, ce sera le désert glacé. Encore une bonne raison de. Encore une bonne raison de partir. Hein. Oh là là, bon bah j'enquête une première fois. Ah, merci, j'enquête une deuxième fois. Eh ben dis donc, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Donc, je suis dans les ports d'Onyx, il n'y a pas d'indice dessus, j'ai fait que deux actions, j'avance. La demeure des dieux, lisez l'interlude, je sais pas trop à quoi ça va me servir, parce que vu quel point. Donc. Je prends aléatoirement deux exemplaires de Nyarlathotep sans les regarder et je les mélange dans le deck de rencontre. Deux exemplaires, bon. On va dire que dans l'ordre là, je vais. Ben non, hop, je vais shuffle. Et je prendrai les deux premiers qui arrivent sans regarder. Donc lui et lui, hop. Attends. Retirer, oui. Donc prenez aléatoirement. Donc deux, un, mélanger dans le deck rencontre. Hop. Tac, ça c'est bon. Mélanger la pile de défense rencontre, la brume rencontre tous les exploits d'une multitude de formes écorchetant dans le deck rencontre. Oh, ça c'est dommage parce que j'avais quand même évité beaucoup de. Enfin deux crasses en tout cas grâce à mes sorts de protection. Donc le chaos chuchotant. La brume rampante. Multitude de formes. Chaos chuchotant. Chaos chuchotant. Ensuite. Prenez les lieux tout abandonnés mis de côté, prenez-en 4 au hasard, mettez-les en jeu. Ils doivent entourer la grande salle. Ah. Révéler le château, placer l'indicateur. Oui, d'accord. J'avais zappé ça. Donc on se place là-dedans. Retirer chaque autre lieu. Donc du coup, logiquement, ils sont défaussés et ils sont remélangés dans la. Dans le. Défausse. Donc tout ça. Dans les lieux. On va mettre la grande salle ici. Toi, on va te bouger ici du coup. Et donc on prendra les quatre premières salles de toute façon. Allez, hop. Et hop. Nous y voici. Bon, Randolph n'a pas survécu au voyage. On ne saura pas si Randolph était un gentil. Donc chat tour abandonné, référencé selon sa position, nord en haut, etc. Ok.
Pour une action dépensée, un indice regardé. Il y a quelque chose. J'ai raté un truc, non? Révéler le château de Nyx, placer l'investigateur dans la grande salle située sur surface révélée, retirer de la partie chaque lieu autre que la grande salle. Prenez aléatoirement, mélanger. Et attendez sur l'acte. Qu'est-ce qu'on avait sur l'acte? Non, c'est surtout celui-là. Si tous les investigateurs sont dans les portes de Nyx, il n'y a pas d'indice dessus avancé. Chaque investigateur perd tous ses indices. Voilà, sinon je me serais dit, mais attendez, c'est pas possible. C'est trop facile. Ok. Quoi? Lire les cartes, c'est fort. Ok, misplay évité. Pas aller trop vite. Alors, il me reste une action. Et évidemment, j'ai pas d'indice. Donc, hop, on va aller ici. Combattre. Oh, tiens, la volonté à la place de la force. C'est très très bien ça. C'est très très bien. Ennemi, entretien. Oh, obsessif. Oh. Sud. Et bien du coup c'est mon tour, je dois contour debout de faire une carte non faiblesse présente dans votre main, sachant qu'on ne peut pas défausser les cartes cachées. Donc random discard. Okay. Très bien. Obsessif est vraiment très embêtant, donc je vais défausser obsessif. Ça c'est clairement obligé. Et ensuite je vais enquêter avec mon sixième sens. 2, je suis à 7. Moins 1, ça passe. Ah, et là par contre, à cause de ça, je vais devoir défausser une carte. Ennemi, entretien, je défausse ma flamme azurée de niveau 0. Oui. Oui. Pas de cultiste, je vais chercher un cultiste. Évidemment, je vais chercher... Oh, dommage! C'est trop dommage! Je vais chercher un petit cultiste que je vais aller mettre ici. Puisque, voilà, j'ai le caouche en sud, donc on espère que ça passe. Et hop, phase d'investigateur. Du coup, de toute façon, je peux pas enclencher la tour S, donc ça sert à rien d'y rester. Par contre, en première action, 1, 2, 3, je vais jouer ma flamme azurée. Comme ça, si jamais j'ai quelqu'un, ben, je saurai quoi faire. Oh la vache, c'est impossible. J'ai chacune des cartes qui ont le mot-clé caché, défausser les autres. Ouais, je vais le tenter, donc 3. 1, 2, 3. Ouh. Ouh, alors. Moi, c'est la tour Est. Non, c'est la tour Ouest. Et non. Oh là 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 là. Oh là là, c'est tellement dommage. Tellement dommage. Mais bon. J'ai fait une action, j'ai fait deux actions, troisième action, je viens ici. Bon, du coup, donc de 8 je passe à 5. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre tout simplement ici. Donc, je vais défausser ma lampe torche. Il faut que j'en défausse une autre. J'ai défaussé Ellie pour garder mon petit chanceux. Est-ce que je peux la jouer chanceux? Ben non, je peux pas la jouer chanceux. Je peux pas l'attribuer non plus. Lampe torche, c'est un mot composé. Ellie, il y a 3. Bon, bah autant garder chanceux. Autant garder chanceux, on sait jamais. D'ailleurs, l'âme enchantée, non ça allait, l'âme enchantée ça allait, ok. Mythe, et du coup, ben... Fait qu'un test, monter 3, une aura pour chaque point manquant, ceci peut me tuer. Ceci peut me tuer. Je ne peux rien attribuer, donc... ceci m'a tué. Oh, oh c'est abusé.
Oh, c'est abusé. C'est maximum de 3. Sauf que ben le Saint-Rosaire, une. Et Jim, 2, c'est fini. Oh non! Oh là là! Oh, je suis deg. Je suis deg parce que. Bon, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je savais que j'allais perdre. Bon, déjà, j'ai fait un démarrage qui était calamiteux. Mais là, j'aurais pu au moins peut-être en gérer un. D'ailleurs, bon, je sais que je suis mort, mais juste pour le fun, il faudrait juste voir du coup. Je me serais déplacé ici. Donc lui m'aurait engagé. Combattre. Choisissez révéler un exemplaire. Ah oui, mais combattre. 3 pour 3. Oh, malgré la statue. Bon, en deuxième action, j'aurais flammazuré lui là. Donc j'aurais eu un 8 contre 3. Moins 2, il serait mort. J'aurais pas subi de dégâts. Dernière action, bon, honnêtement, je l'aurais tenté. Avec la statue. Donc j'aurais révélé le chaos juste ensuite. Je l'aurais attaqué à 3 contre 3. Avec la statue. Moins 2 et crâne. Oh, ce serait passé. Ce serait passé. Ce serait passé. Moins 2 et crâne, ce serait passé. Donc j'aurais eu. Ouais, j'aurais eu un nier là. Parce que ouais, j'aurais pris le crâne. Crâne 0. Donc j'aurais eu un en pile de victoire. Ça défaussé. Oh, quand même. J'aurais fait donc mes trois actions. Ennemi, entretien. J'aurais pu défausser mythe. Repêcher ma carte. Bon, il aurait été ici. Non, il aurait été ici. Non, ici. Ici. De toute façon, là, voilà. Et là, dans tous les cas, j'aurais pas assez d'action. Donc, ouais, au mieux, au vu de la partie, si j'avais pas tiré le pion échec automatique, je me serais retrouvé dans cette situation-là. Il m'en restait trois actions. Tiens, d'ailleurs, défaussé. Il m'en restait trois actions. Et ça aurait été bien de jouer destinée parallèle pour essayer d'avoir un nier là. Mais. Il faut toujours voir, mais dans tous les cas, le chaos tout en haut sud, non. Donc, dans tous les cas, il faut deux actions plus une, trois actions pour faire ça. J'ai pas d'indice. Donc, j'ai pas de découverte d'indice rapide. Enquête avec le sixième sens. Crâne. Dépense. Une, deux, trois. Même pas de carte cachée. Et du coup, dernière action, je me serai remis au centre. Et du coup, on aura avancé. Et j'aurais perdu. Donc bon, c'est sans regret. Jim est vaincu par les horreurs. Et c'est aussi pour ça que j'avais hésité à enlever ma trompette. Mais bon. C'est. Ah, c'est vrai que là, avec le nombre de crânes que j'ai pioché, ça aurait fait la diff sur. Ça aurait fait la diff. J'avais pioché un crâne, je crois, avant. Peut-être plus. Ça aurait peut-être pu faire la diff. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Chaque investigateur est vaincu et rendu dément. Voilà, pas vraiment de surprise pour ce pauvre Jim, malheureusement. C'est bien dommage. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je n'y croyais pas particulièrement. Donc, voilà. Jim aura succombé face à Nyarlathotep. Voilà, bon, ben j'espère que la partie vous a plu, que cette série de vidéos vous aura intéressé. Et du coup, comme je l'ai déjà dit sur le Discord, et comme je l'avais dit au début, je pense que je vais vous faire du coup des solos difficiles truands. À bientôt, au revoir.